Bonjour, Hervé Matou avec vous, je suis avec Franck Sauzet et nous avons rendez-vous aujourd'hui avec la Barclays Premier League, ce magnifique et spectaculaire championnat anglais. Arsenal, l'équipe dont le dernier résultat est une victoire à domicile contre Liverpool. Le score est face à leurs adversaires du jour. Je sens ces joueurs capables d'enregistrer une deuxième victoire consécutive. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Schéma classique pour cette équipe avec un 4-4-2. Voici donc la composition d'Arsenal. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. Le King Power Stadium, qui est l'antre du club de Leicester. Oui, une enceinte de 32 500 places située en plein cœur de l'Angleterre. Ah, cette équipe d'Arsenal qui a été vraiment injouable certaines années. Et elle est restée invaincue pendant toute la saison 2003-2004. Un seul club de l'histoire est resté invaincu, Preston North End. Mais c'était en 1889, avec beaucoup moins de matchs à l'époque. C'est parti à l'instant donc. Wes Morgan. Daniel Simpson. Une, deux. Ryan Mahrez. Christian Fuchs. Albrighton. Mathieu Debuchy. Nacho Monreal. Monreal. Chaka. Mathieu Debuchy. Nacho Monreal. Chaka. Et le ballon qui est sorti. Sorti de but. Chaka. Et ouais, le ballon qui circule bien. Théo Walcott. Un beau duel en perspective. Francis Coquelin. On va pouvoir jouer à la touche. Christian Fuchs. Et la balle qui retourne dans les pieds du gardien. Mampalis Mendy. Daniel Simpson. Oh, il la récupère. Ouais, dans le couloir. Oxlade-Chamberlain. L'occasion de porter le danger dans la surface avec cette touche. Christian Fuchs. Mathieu Debuchy. Real. Chaka. Francis Coquelin. Oxlade-Chamberlain. Ouais,
le tir. Ouais, c'est contré. Il prend sa chance. Un but tout en finesse. C'est vrai qu'on oublie aussi qu'on peut marquer des buts en finesse. On oublie. Ben oui, eh oui, puis alors on se régale. Le plaisir des yeux, parce que ça donne vraiment des superbes images, quoi. Enfin, sauf si vous êtes gardien de but. Ouais. Vous n'avez jamais marqué les comme ça. Non, jamais. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Et c'est donc l'ouverture du score, 1-0. Albrighton. Christian Fuchs. Danny Welbeck. On dirait qu'ils attendent une ouverture dans la défense. Un ballon pour Walcott. Il y a toujours une solution pour le porteur du ballon. C'est vraiment très fluide. Gabriel. Ils ont choisi de jouer sur le côté. Francis Coquelin. Et Walcott. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse. Ils prennent leur temps. Gabriel. Chaka. Voilà, frappe. Le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Corner pour Arsenal. Il dégage du point. Attention! Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Oh, quel sang-froid de la part du buteur sur cette action. Qu'est-ce que c'est bien joué, finement joué. Exactement. Hein. Il a vu le placement du gardien. Il a bien fait de frapper tout en finesse. C'était la bonne décision. Et comme vous dites, il faut faire preuve d'une grande lucidité. Beaucoup, je pense, auraient tenté la frappe de boule. Ouais, deux buts à rien, il domine les débats. Et voilà, mi-temps ici, déjà 2-0 au score. Ah, quelle première période il vient de nous faire, hein. Vraiment, c'est lui l'homme de ses 45 premières minutes. Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. L'équipe a le match en main pour le moment. Bonne première période d'Arsenal, hein, Franck. Oui, on va voir si tout se passe aussi bien en seconde période. Chaka. Oxlade-Chamberlain. Ce n'est plus une rumeur, mais une info désormais. Miralem Pjanic a signé à la Juventus de Turin en provenance de l'Olympique Lyonnais. Oui, Hervé, à noter que le montant de la transaction aurait atteint une somme mais astronomique. Francis Coquelin. Montréal. Et l'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109. Palis Mendy. Christian Fuchs. Ah, personne pour le reprendre. Et le ballon qui sort, le gardien va pouvoir se dégager. L'entraîneur ne pouvait pas faire autrement que le sortir. Ah, il n'a pas été bon, hein. Pas du tout même. Chaka. Toujours aussi précis hein, dans ses passes. Gabriel. Il vient lui prendre ce ballon. Wes Morgan.
Christian Fuchs. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Est-ce qu'il va la jouer longue? Albrighton. Ah, le centre! Voilà, il s'est pas embêté avec la relance. Corner. C'est le moment pour nous de revoir ce but. Le gardien qui soulage sa défense en s'emparant de ce ballon sans problème. La touche pour Arsenal. Alors qu'on va procéder à un changement. Théo Walcott. On a deux joueurs à la lutte. Ce sera sans problème pour le gardien. Ah, il a bien anticipé. Les Gunners qui obtiennent le coup franc. Un match avec des supporters qui n'arrêtent pas de chanter. Ils savent que la victoire est proche. Théo Walcott. Francis Coquelin. Oh, c'est bien parti. Oh, ils ont manqué l'occasion d'accroître un peu leur avance. Une sortie à laquelle on s'attendait un petit peu, Franck. Oui, nous et le joueur lui-même, hein, il sait très bien qu'il a raté son match. Un petit peu étonnant de voir l'entraîneur le sortir parce qu'il a été tellement bon qu'on espérait bien le voir jouer jusqu'au bout.